Bien, salut à toutes et à tous, c'est Husky, j'espère que vous allez bien les gars, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Black Ops 2 pour le deuxième épisode de ma série, t'as déjà eu tes chiens avec, et aujourd'hui les gars je vous propose la NSMC, que j'avais équipée tout simplement des balles blindées, du silencieux et du chargeur rapide. Pendant qu'on y est, on décrit la fin de ma classe, hein, donc je joue avec les atouts détermination et fantôme combinés, j'avais pillard et masque tactique, et bien sûr en score strike j'avais drone, microstation orbitale et chien d'attaque. Donc voilà, ça c'est pour le grosso modo de ma classe. J'aimerais vous faire part aussi que je compte proposer ce gameplay à Code QG et Noxzone Vert. Donc je vous fais un gros big up si vous acceptez ce petit gameplay. Et j'aimerais faire part à vos abonnés de ce nouveau projet que j'ai décidé de lancer sur YouTube. Alors tout simplement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Husky, non pas le Husky de la Advent, grosse parenthèse. Je suis Husky et je compte voilà, lancer ce petit projet qui est tout simplement obtenir une double unité canine sur Call of Duty Black Ops 2 avec toutes les armes du jeu. Alors, j'ai déjà proposé un épisode à ce jour qui est la LSAT. Voici le deuxième à la NSMC. Et donc, au fur et à mesure des épisodes, justement, je vous proposerai des petits tutos, des petits conseils pour débloquer vos score strike, justement vos unités canines. Tout simplement, déjà, là, une unité pardon, canine simple. Hein, je vous conseille des petits score strike, des petits déplacements, etc. sur un petit peu toutes les maps. Et vous proposer par la suite, pour ceux qui seraient intéressés, une double unité canine et justement vous proposer pareil là au niveau des déplacements qui seront différents, des score strike utilisés qui seront différents, jouer l'objectif d'une manière un peu plus intense. Et donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc ça c'était pour le big, enfin la petite pub que je me fais via Code QG si j'ai la chance de passer Enoxzonefr. Et donc voilà. Quoi qu'il en soit, on en revient un petit peu sur le gameplay. Vous avez été beaucoup, les gars, mes abonnés, à me demander un petit jeu concours, comme j'ai l'habitude, enfin j'avais l'habitude de faire sur ma chaîne, qui était tout simplement de battre un de mes records lors d'un gameplay, c'est-à-dire, je sais pas, obtenir une double unité canine sur Black Ops, etc. Et donc voilà, je vous propose ce petit truc, hein, ce petit jeu concours. Aujourd'hui, je vous propose de battre mon record, tout simplement de débloquer la double unité canine sur Black Ops 2 en moins de 3 minutes 30. Donc voilà, c'est le petit jeu concours du jour. J'espère que ça vous plaira. Pour ceux qui auraient la curiosité de venir voir ma chaîne, le titre sera différent. Il y aura quelque chose de marqué en plus. Donc venez voir. Je pense que ça pourra vous intéresser. Mais comme je compte passer sur une chaîne communautaire, je me permets de ne pas justement faire de trop de pub pour ce petit projet de jeu concours parce que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas de proposer des choses, etc. alors qu'on passe sur des chaînes communautaires. Donc voilà, je vous propose de venir voir ma chaîne, de bien regarder le titre de la vidéo qui sera sans doute affichée dès le début, dès que vous arriverez. Et donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse du jour. Au passage, je débloque la première unité canine du jeu. Vous allez voir que la deuxième va s'enchaîner vraiment très rapidement puisque je me suis retrouvé tout simplement dans le respawn ennemi. Et c'est tout, hein. Les ennemis étaient tous là, ils ont tous respawn à côté de moi. Et donc j'ai eu de la chance, entre parenthèses, de pouvoir les gérer, de pouvoir gérer les respawns qui s'offraient à moi. Et donc voilà, j'ai fait du spawn kill, hein. Sans être méchant, oui, j'ai fait du spawn kill, je le reconnais. C'était pas franchement voulu à la base, puisque je me suis dit, voilà, mais je pouvais pas retourner en arrière, puisque les ennemis se présentaient à moi. Je me suis dit, il faut quand même que je débloque la double unité canine, et comme j'étais très très bien parti pour faire deux chiens d'attaque en très peu de temps, je me suis dit, on reste dans le respawn, et on va essayer de tenter, justement, de pouvoir débloquer cette double unité canine le plus rapidement possible. Donc vous voyez, les gens respawn, mais bon, j'étais tout seul aussi, j'étais tout seul dans leur respawn. Et mine de rien, je me dis qu'à 6 contre 1, ils auraient quand même pu faire quelque chose. Ils auraient quand même pu faire un petit truc et pourquoi pas me tuer. Mais bon, par chance, j'ai quand même su gérer. Et voilà la double unité canine qui s'offre à moi. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce petit gameplay vous aura plu. Cette première manche de démolition vous aura plu. Je ne vous passe pas à la suite du gameplay puisque tout simplement, si vous le voulez savoir, je vous mettrai le score de fin si ça vous plaît. Hein. Déjà là, je finis sur un 27-0. La deuxième manche va un peu moins bien se dérouler pour moi puisque je vais finir sur un 50. Un peu plus de 50 points pour 6 ou 7 morts. Mais bon, comme je débloque plus d'unités caniques, je me suis dit que ça sert à rien de vous proposer la deuxième partie du gameplay. Donc voilà, si le gameplay vous a plu, je vous remercie à tous de lâcher un petit pouce vert. Ça me ferait énormément plaisir d'encourager ce petit projet sur YouTube. Petit message pour mes abonnés, en ce qui concerne ce projet justement, je voudrais proposer ce projet, ce nouveau projet et l'étendre sur Call of Duty Black Ops. C'est-à-dire, là, je vous propose double chien d'attaque sur Black Ops 2 avec toutes les armes, mais j'aimerais proposer les doubles chiens d'attaque, bien sûr, les doubles chiens d'attaque sur Call of Duty Black Ops 1 avec toutes les armes, pour tout simplement avoir toujours plus
comment dire, toujours plus de je me suis embrouillé. Voilà, toujours plus d'épisodes et voilà, en espérant que ça vous plaira toujours plus. Quoi qu'il en soit, je vous laisse sur cette petite fin. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir voir ma chaîne, comme je l'ai dit, pour le petit jeu concours qui se présente à vous. Sautez sur l'occasion, je pense. Il y aura quelque chose en prime pour ceux qui viendront voir. Abonnez-vous à ma chaîne pour encourager ce nouveau projet. Je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et prenez soin de ceux que vous aimez. Ciao les gens.